Monsieur le Président de la Polynésie française, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants élus à l'Assemblée de Polynésie française, chers collègues, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs du public, de la presse, les chefs de service, les internautes, bonjour, notre séance est reprise et je vais demander à notre secrétaire général de bien vouloir procéder à la lecture des dispositions statutaires et réglementaires concernant l'élection du président de l'Assemblée de Polynésie française. Monsieur le Président, l'article 121, alinéa 3 du statut de la Polynésie française indique que lors du renouvellement annuel des membres du bureau ou lors de la première séance de la réunion suivant le renouvellement d'une partie des membres de l'Assemblée de la Polynésie française, celle-ci peut décider à la majorité absolue de ses membres de procéder au renouvellement intégral du bureau. Alors, l'article 2, troisième alinéa du règlement intérieur précise que l'élection du président a lieu au scrutin uninominal et secret à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les candidatures de tous représentants sont libres pour les deux premiers tours de scrutin. Si les deux premiers tours de scrutin n'ont pas donné de résultat, il est procédé à un troisième tour auquel peuvent seuls participer les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. Cependant, l'un ou l'autre des candidats arrivés en tête peut décider de se désister en faveur d'un candidat ayant obtenu moins de voix. Et en cas d'égalité de voix, au troisième tour, le plus âgé est proclamé élu. L'article 44 du règlement intérieur prévoit que le scrutin secret est de droit pour le vote d'une motion de défiance ou de renvoi, pour l'élection du président de la Polynésie française, pour l'élection du président de l'Assemblée de la Polynésie française et celle des autres membres du bureau, et chaque fois que la majorité des membres de l'Assemblée le décide. Alors, pour procéder au scrutin secret, chaque représentant reçoit un bulletin et le dépose dans l'urne qui lui est présentée. Lorsque tous les représentants présents ont voté, le président et les secrétaires procèdent au dépouillement du scrutin. Alors, le dépouillement est effectué sur une table située au centre de l'hémicycle. Ils s'assurent que le nombre des bulletins est égal à celui des votants et en cas de différence entre le nombre de votants et celui des bulletins, les bulletins sont détruits avant le dépouillement et il est procédé à un nouveau vote. Un secrétaire lit ostensiblement et à haute voix les bulletins l'un après l'autre, tandis que l'autre secrétaire inscrit les votes tels qu'ils sont lus. Le résultat est ensuite proclamé par le président. Les bulletins sont alors immédiatement détruits. Un bulletin équivoque, s'il est susceptible de modifier le résultat du scrutin, donne lieu à un nouveau vote. Enfin, l'article 122, alinéa 3 du statut sur les procurations mentionne que le vote par procuration est interdit pour l'élection du président de la Polynésie, du président et du bureau de l'Assemblée. Et pour le vote d'une motion de défiance. Voilà, M. le Président. Bien, merci, Madame le Secrétaire Général. La lecture des différentes dispositions statutaires et réglementaires ayant été faites, avez-vous, chers collègues, des candidatures à présenter pour l'élection du président de l'Assemblée de Polynésie française? Monsieur Drolet. Rahmet Prititini, Maluruta Toit Farili Laite Yene Pepe, Pofa Oti Tetapura Amui et Mohoa et Turumene, Yat Uhia Tute Oa Automato Prititini, Ya Oscar Manut Hei Temaru, et Yanomato, Not Horror Tite Maikira. Merci, Monsieur Drolet. Donc, nous enregistrons la candidature de Monsieur Oscar Temaru. Y a-t-il d'autres candidatures? Monsieur Temeharo. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée. Monsieur le Président du gouvernement, Monsieur le Vice-président, Messieurs et Madame et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs, chers publics, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Yoran. Pour le groupe Tahoeira Wirakira, conformément aux accords de la majorité, nous proposons la candidature de M. Gaston Flosse
pour aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Temeharo. Donc, deuxième candidature enregistrée, celle de Monsieur Floss Gaston. Madame Bernodon. Bonjour et merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du pays, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, bonjour. Au nom du groupe Yorat Fenoua, je présente la candidature de Monsieur Jean-Christophe Bouissou. Merci. Merci, Madame Vernaudan. Donc, la troisième candidature est celle de Monsieur Jean-Christophe Bouissou. Y a-t-il d'autres candidats ou d'autres candidatures présentées? Donc, on peut estimer qu'il y a donc trois candidats qui ont été présentés. Je vous les rappelle rapidement. Celle de Monsieur Oscar Temaru, celle de Monsieur Gaston Floss et enfin celle de Monsieur Jean-Christophe Bouissou. Alors, je vais suspendre la séance, le temps de faire préparer les bulletins. La séance est suspendue. Merci. Bien, chers collègues, la séance est reprise et nous allons procéder à l'élection du président de l'Assemblée de la Polynésie française. Alors, avant d'ouvrir le scrutin et conformément à l'article 44 de notre règlement intérieur et plus particulièrement son paragraphe 3, je vais appeler notre secrétaire, Madame Chavez, si elle veut bien se tenir aux côtés, enfin à côté en tout cas de l'urne qui est là. Et dans la mesure où Madame Chavez est la seule secrétaire survivante du bureau sortant, je vais devoir appeler un autre membre du bureau en respectant l'ordre de préséance, puisque c'est l'article 44, paragraphe 3, qui nous l'impose. Et donc, dans l'ordre de préséance, je vais me tourner d'abord vers notre premier vice-président, si celui-ci est d'accord pour se tenir aux côtés de Madame Chavez. Merci, Monsieur Tefarel. Voilà. À partir de là, donc, nous allons pouvoir procéder à l'élection. Le scrutin est ouvert. Je demande au secrétaire général de bien vouloir faire l'appel des représentants. Madame Algon-Emma. À voter. Monsieur Bertolon Nicolas. À voter. Madame Bob Dupont-Tamara. À voter. Monsieur Bissou Jean-Christophe. À voter. Madame Brémond-Madeleine. À voter. Madame Brodien-Rosine. À voter. Madame Chavez-Daphné. À voter. Madame Cross-Valentina. À voter. Monsieur Drolet-Jacqui. À voter. Monsieur Floss Gaston.
À voter. Madame Frébeau-Joël. À voter. Monsieur Frébeau-Pierre. À voter. Madame Fuller-Tilda. À voter. Madame Galnon-Minari. À voter. Monsieur Gérard Santoni. À voter. Monsieur Anderson George. À voter. Madame Irshan Nounoutéa. À voter. Madame Izar Hifara. À voter. Monsieur Kautey Benoît. À voter. Monsieur Komotini René. À voter. Monsieur Lisan Marcelin. À voter. Monsieur Mamadou Ayoutapou Victor. À voter. Madame Anoutaï Lévi Agami Sandra. À voter. Madame Maraya Emma. À voter. Monsieur Maraoula Teina. À voter. Madame Marie Teragui Mairoto Liliane. À voter. Madame Mataoua Léonie. À voter. Madame Mati Juliana. À voter. Madame Merceron Armel. À voter. Monsieur Moutam Thomas. À voter. Madame Olivier Marise. À voter. Madame Opa Afo Anik. À voter. Madame Parker Eleanor. À voter.
Monsieur Peltuti. À voter. Monsieur Porlier-Tekinoui. À voter. Monsieur Rapoto-Jean-Marius. À voter. Madame Richton-Monique. À voter. Monsieur Romain-Tarrois-Fernand. À voter. Madame Sage Maina. À voter. Monsieur Salmon James. À voter. Monsieur Gilles Philippe. À voter. Madame Saint-Joutarita. À voter. Madame Tahiata Chantal. À voter. Madame Tahuatama Juliette. À voter. Madame Tama Françoise. À voter. Monsieur Tonso Robert. À voter. Monsieur Juntou Roro. À voter. Monsieur Tefarere Hirohiti. À voter. Monsieur Temaru Oscar. À voter. Monsieur Temeharu René. À voter. Madame Teruata Sylviane. À voter. Madame Teura Justine. À voter. Monsieur Touahou Ismaël. À voter. Madame Tuchobillard Catherine.
À voter. Madame Bernondin Béatrice. À voter. Monsieur Bernondin Clarence. À voter. Monsieur Yip Michel. À voter. Monsieur le Président, j'ai appelé tous les représentants. Merci, Madame la Secrétaire Générale. Le scrutin est donc clos. Monsieur le Premier Vice-président, Madame la Secrétaire, je vous demanderai de bien vouloir procéder au dépouillement. Merci. Monsieur le Président, Kervoyarei, 57 présents, 57 bulletins trouvés dans l'urne. Oscar Temaru. Gaston Floss. Jean-Christophe Wissou. Oscar Temaru. Oscar Temaru. Jean-Christophe Wissou. Bulletin nul puisque écrit à la main. Oscar Temaru. Jean-Christophe Wissou. Gaston Floss. Jean-Christophe Wissou. Jean-Christophe Wissou. Oscar Temaru. Jean-Christophe Wissou. Jean-Christophe Wissou.
Oscar Temaru. Oscar Temaru. Gaston Floss. Jean-Christophe Wissou. Blanc. Oscar Temaru. Oscar Temaru. Gaston Floss. Jean-Christophe Wissou. Jean-Christophe Wissou. Jean-Christophe Wissou. Oscar Temaru. Jean-Christophe Wissou. Oscar Temaru. Oscar Temaru. Oscar Temaru. Gaston Floss. Oscar Temaru. Gaston Floss. Gaston Floss. Oscar Temaru. Oscar Temaru. Gaston Floss. Gaston Floss. Jean-Christophe Wissou. Gaston Floss. Oscar Temaru. Oscar Temaru. Jean-Christophe Wissou. Jean-Christophe Wissou. Oscar Temaru. Gaston Floss. Blanc. Jean-Christophe Wissou. Floss 12. Wissou 19. Oscar Temaru 23. Un bulletin nul et deux bulletins blancs. Bien, je remercie Monsieur le Vice-président et Madame la Secrétaire pour le dépouillement de ce premier tour. Je vous rappelle donc, chers collègues, les résultats. 57 représentants composent l'Assemblée, 57 sont présents, 57 ont voté,
57 bulletins ont été trouvés dans l'urne. 2 blancs et 1 bulletin nul ont été constatés, ce qui fait que 54 suffrages sont exprimés. 28 constituent la majorité absolue. Ont obtenu donc M. Temaru Oscar 23 voix, M. Jean-Christophe Buissou 19 voix et M. Gaston Flos 12 voix. Donc aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue des membres composant l'Assemblée, il sera procédé à un second tour. Et là, pour ce faire, je me retourne vers vous, chers collègues, comme l'impose notre règlement, et je vous demande qui sont les candidats pour le second tour. Monsieur Drolet. Maruru et Beretiteni. Amaruru maite natia e piti ahuru e maturu o te ituru i te tia o tamatu i tu atu. I te mea te tiaturine matou i te piti o tatuara a e manu i ato matou tia. A te tuatu, te tufahau nei au, i te ua o tomato pretitini, ia Oscar Manutai te maru, e itia no te piti o te hatuara. Merci, M. Drolet. Donc, la candidature de M. Oscar Temaru est enregistrée pour le second tour. Y a-t-il d'autres candidats, Mme Bernaudon? Voilà. Je voudrais d'abord remercier les 19 voix qui se sont portées sur M. Jean-Christophe Buissou et je présente à nouveau sa candidature pour le deuxième tour. Merci Mme Vernaudon. Donc deuxième candidature enregistrée, celle de M. Jean-Christophe Buissou. Y a-t-il d'autres candidatures ? Monsieur Temeharo. Merci, Monsieur le Président. Merci aussi pour ceux et celles qui ont tenu les promesses niveau au sein de cette majorité. Pour notre part, nous maintenons la candidature de la promesse qui a fait que cette majorité existe aujourd'hui. Et d'autre part, je sollicite une suspension de séance. La candidature, on maintient. Merci. Merci, M. Temeharo. Donc, la troisième candidature qui est enregistrée pour le second tour est celle de M. Gaston Flos. Mme Galdon. Monsieur le Président, je présente ma candidature. Merci, Mme Galdon. La quatrième candidature enregistrée est celle de Mme Chantal Minabi Galdon. Y a-t-il encore d'autres candidatures? Je suis obligé de regarder chaque recoin de cette salle. Monsieur le Président. Monsieur Tansot, une autre candidature? Bonjour, Monsieur le Président. Non, ce n'est pas pour présenter ma candidature, rassurez-vous. Je crois que nous avons suffisamment de candidatures. C'était tout simplement, Monsieur le Président, pour effectivement appuyer la demande de M. René Temeharo concernant cette suspension de séance. Donc nous appuyons cette demande. Merci. Merci M. Tansot. Je ne l'avais pas oublié, hein, la demande de suspension. M. Tefarere, vous souhaitez intervenir? Oui, M. le Président. C'est effectivement pour soutenir cette demande de suspension de séance. Alors, quelle est la durée de suspension que vous souhaitez, chers collègues? Parce que depuis hier, vous nous en avez proposé plusieurs et beaucoup ont attendu. Et je fais partie de ces beaucoup qui ont attendu. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi un créneau de délai pour que tout le monde sache à quoi s'en tenir. Je tiens à signaler
Je tiens à signaler toutefois, chers collègues, normalement, suspension, il doit y avoir en effet, au moins pour préparer les bulletins. Là, j'ai bien compris que vous demandez une suspension un peu plus longue parce que peut-être il y a un peu plus de candidats et peut-être que les noms sont un peu plus compliqués à écrire. Mais s'il vous plaît, dites-moi combien de temps il vous faut. Une heure, est-ce que ça vous convient pour tout le monde? Je vous demanderai, s'il vous plaît, vis-à-vis des télés, vis-à-vis du public, vis-à-vis de tous, de bien vouloir respecter cette heure de suspension. Donc là, il est 10h, à 11h et quart, je sonne et on reprend la séance. C'est bon? Très bien, je suspends la séance pendant une heure. La séance est suspendue. Merci. La séance est reprise. Alors, je rappelle, en attendant que soit terminée la distribution des bulletins, que nous avons 4 candidatures déclarées, celle d'Oscar Temaru, celle de Jean-Christophe Buissou, celle de Gaston Flos et enfin celle de Chantal Minari-Galmont. Donc, normalement, chers collègues, vous avez reçu l'ensemble des bulletins et par conséquent, et avant d'ouvrir le scrutin, je vais aussi appeler encore une fois Madame Chavez ainsi que Monsieur Pefarere en qualité de premier vice-président et Madame Chavez en qualité de secrétaire. Merci. Le scrutin est ouvert pour le second tour. Je demande au secrétaire général de bien vouloir faire l'appel des représentants. Madame Algo-Emma. À voter. Monsieur Bertolon Nicolas. À voter. Madame Bob Dupont-Tamara. À voter. Monsieur Buissou Jean-Christophe. À voter. Madame Raymond Madeleine. À voter. Madame Broudien-Rosine. À voter. Madame Chavez-Daphné. À voter. Madame Cross-Valentina. À voter. Monsieur Drolet-Jacquie. À voter. Monsieur Flos-Gaston. À voter. Madame Frévaux-Joël. À voter. Monsieur Frébeau-Pierre. À voter. Madame Fuller-Tilda. À voter. Madame Galmont-Minari. À voter. Monsieur Giraud Santoni. À voter. Monsieur Anderson Georges. À
À voter. Madame Hirschon, au notaire. À voter. Madame Isal Heifara. À voter. Monsieur Kautey Benoît. À voter. Monsieur Koumoutini René. À voter. Monsieur Lison Marcelin. À voter. Monsieur Mamadou Ayoutapou Victor. À voter. Madame Anoutei Lévi Agami Sandra. À voter. Madame Araya Emma. À voter. Monsieur Maraïra Teina. À voter. Madame Maritiragi Mairoto Liliane. À voter. Madame Atawa Leoni. À voter. Madame Mati Juliana. À voter, Madame Merceron Armel. À voter, Monsieur Moutam Thomas. À voter, Madame Olivier Marise. À voter, Madame Opa Afouanik. À voter. Madame Parker Eleanor. À voter. Monsieur Peu Touti. À voter. Monsieur Pauliette Tinoué. À voter. Monsieur Rapoto Jean-Marius. À voter. Madame Richton Monique. À voter. Monsieur Romain Taro Fernand. À voter. Madame Sage Maïna. À voter. Monsieur Salmon James. À voter. Monsieur Gilles Philippe. À voter. Madame Saint-Joutarita. À voter. Madame Tayeta Chantal. À voter. Madame Tahuatama Juliette. À voter. Madame Tama Françoise.
À voter. Monsieur Tonso Robert. À voter. Monsieur Chuyung Tunghiroro. À voter. Monsieur Tefane de Hiroiti. À voter. Monsieur Temaru Oscar. À voter. Monsieur Temeharo René. À voter. Madame Pirouatia Sylviane. À voter. Madame Théodore Justine. À voter. Monsieur Toahou Ismaël. Monsieur Toahou Ismaël. À voter. Madame Tichobillard Catherine. À voter. Madame Vernon Béatrice. À voter. Monsieur Vernon Clarence. À voter. Monsieur Yip Michel. À voter. Voilà, j'ai appelé tous les représentants, monsieur. Merci, Madame la Secrétaire Générale. Le scrutin est à présent clos. Monsieur le Premier Vice-président, Madame la Secrétaire, voulez-vous bien procéder au dépouillement? Merci. Cinquante-sept votants, 57 bulletins trouvés dans l'urne. Jean-Christophe Wissou. Oscar Temoru. Oscar Temoru. Jean-Christophe Wissou. Jean-Christophe Wissou. Oscar Temoru. Jean-Christophe Wissou. Gaston Floss. Oscar Temoru. Oscar Temoru. Oscar Temoru. Gaston Floss. Jean-Christophe Wissou. Blanc. Oscar Temoru. Oscar Temoru. Jean-Christophe Wissou. Oscar Temoru. Jean-Christophe Wissou.
Jean-Christophe Wissou. Gaston Flos. Gaston Flos. Gaston Flos. Oscar Temaru. Gaston Flos. Oscar Temaru. Oscar Temaru. Oscar Temaru. Blanc. Jean-Christophe Wissou. Jean-Christophe Wissou. Gaston Flos. Jean-Christophe Wissou. Oscar Temaru. Oscar Temaru. Jean-Christophe Wissou. Jean-Christophe Wissou. Gaston Flos. Oscar Temaru. Jean-Christophe Wissou. Oscar Temaru. Jean-Christophe Wissou. Oscar Temaru. Gaston Flos. Jean-Christophe Wissou. Gaston Flos. Oscar Temaru. Jean-Christophe Wissou. Gaston Flos. Oscar Temaru. Oscar Temaru. Minard également. Jean-Christophe Wissou. Gaston Flos. Oscar Temaru. Jean-Christophe Wissou. Jean-Christophe Wissou. Minard également, 1. Flos, 12. Oscar, 22. Wissou, 20. Oscar Temaru, 22. Wissou, 20. Gaston Flos, 12. Minard également, 1. Et 2 bulletins blancs. Bien, je vous remercie, Monsieur le Premier vice-président, Madame la secrétaire, d'avoir procédé au dépouillement de ce second tour. Je rappelle donc les résultats de ce second tour. 57 représentants composent l'Assemblée, 57 représentants étaient présents, 57 ont voté, 57 bulletins ont été trouvés dans l'urne, 2 bulletins blancs et, par conséquent, 55 suffrages ont été exprimés. Ont obtenu M. Oscar Temaru 22 voix, M. Jean-Christophe Wissou 20 voix, M. Gaston Flos 12 voix, Mme Chantal Galnan 1 voix.
Donc, aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il sera donc procédé à un troisième tour. Conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement intérieur, seuls participent les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. Cependant, l'un ou l'autre des candidats arrivés en tête peut aussi décider de se désister en faveur d'un candidat ayant obtenu moins de voix. Par conséquent, je me tourne encore vers vous pour demander qui reste candidat ou qui maintient sa candidature pour le troisième tour. Monsieur Drolet. Marurua te peretiteni no tatato mai tirai te ienei teime. Te tuufahunei matu. I te oa o tō matu peretiteni i a Oscar Manut hei te maru. No te horor aia i te toru o te teime. Merci, Monsieur Drolet. Donc, la candidature de Monsieur Oscar Temaru est maintenue et confirmée pour le troisième tour. Y a-t-il d'autres candidatures, Madame Vernaudon? Oui, Monsieur le Président, nous maintenons la candidature de Monsieur Jean-Christophe Bouissou pour le troisième tour. Merci, Madame Vernaudon. Donc, la candidature qui est la deuxième candidature, celle de Monsieur Jean-Christophe Bouissou, est également maintenu. Bien, je vais donc suspendre la séance, le temps de préparer les bulletins pour ce troisième et dernier tour. La séance est suspendue. La séance est reprise. Alors, j'ai cru comprendre qu'un bon nombre, pour ne pas dire l'ensemble des groupes de notre Assemblée, souhaitaient une suspension. Est-ce que les présidents de groupe peuvent confirmer cette demande et puis surtout dire combien de temps pourrait durer cette suspension? Madame Tahiata. Oui, Monsieur le Président, pour le groupe UDSP, nous acceptons la suspension de la séance jusqu'à 14h30. Comme a demandé M. Tonceau. Voilà. Merci. Donc, pour le groupe UDSP, c'est bon. Pour les autres groupes, Mme Anoutri-Léviagami. Pour le groupe Ténatil A, nous demandons également une suspension jusqu'à 14h30. Merci. Les autres groupes, pour le groupe de... Oui, M. Bissou. Merci, M. le Président. Oui, nous sommes favorables. Très bien. Bon, M. Tonceau, bien sûr, vous confirmez. Parfait, mais Joseph. Monsieur le Président, je confirme totalement 14h30. Marourou. Très bien, je vous en remercie. À partir du moment où il y a l'accord de tous, donc s'il n'y a pas d'opposition, la suspension sera accordée. En revanche, je vous demanderai encore une fois, chers collègues, 14h30. C'est pas pour moi, mais c'est pour le public, pour les téléspectateurs. Je pense qu'il faut en finir. Voilà, donc je compte sur vous, 14h30. La séance est suspendue. Bon appétit. Chers collègues, notre séance est reprise. Nous entamons donc le troisième tour de l'élection du président de l'Assemblée de la Polynésie française. Je vous précise simplement que vos bulletins, les bulletins qui seront validés pour le troisième tour, sont ceux où est indiquée la mention « troisième tour ». Méfiez-vous parce qu'on a eu tellement de bulletins depuis tout à l'heure. Donc vérifiez bien cette indication. Et je rappelle donc les deux candidats restants en lice, Messieurs Oscar Temaru et Jean-Christophe Bouissou. Alors, avant d'ouvrir le scrutin, je vais appeler Monsieur le Vice-président ainsi que Madame la Secrétaire, Madame Chavez, de bien vouloir venir devant, près de l'urne. Et je vais donc
demander à Madame le Secrétaire général de bien vouloir faire l'appel des représentants. Et le scrutin est ouvert, pardon. Madame Algan-Emma, à voter. Monsieur Bertolan Nicolas. À voter. Madame Bob Dupont-Tamara. À voter. Monsieur Bissou Jean-Christophe. À voter. Madame Brémond-Madeleine. À voter. Madame Brodien-Rosine. À voter. Madame Chavez-Daphné. À voter. Madame Cross-Valentina. À voter. Monsieur Drolet-Jacqui. À voter. Monsieur Flos Gaston. À voter. Madame Frébeau-Joël. À voter. Monsieur Frébeau-Pierre. À voter. Madame Fuller-Tilda. À voter. Madame Galnon-Minari. À voter. Monsieur Géros Anthony. À voter. Monsieur Anderson Georges. À voter. Madame Irshan Onoutea. À voter. Madame Isal Heifara. À voter. Monsieur Colté Benoît. À voter. Monsieur Comitini René. À voter. Monsieur Lison Marcelin. À voter. Monsieur Mamato Heutapu Victor. À voter. Madame Manoufé Lévy Sandra. À voter. Madame Maria Emma. À voter. C'est Maria Urateina. À voter. Madame Marie Teragui Mairoto Liliane. À voter. Madame Atawa Léoni. À voter. Madame Ati Juliana. À voter. Madame Erceron Armel. À voter. C'est Moutam Thomas.
À voter. Madame Olivier Marise. À voter. Madame Opa Afouanik. À voter. Madame Parker Eleanor. À voter. Monsieur Peltouti. À voter. Monsieur Poliete Guinoui. À voter. Monsieur Rapoteau Jean-Marius. À voter. Madame Richepin-Monique. À voter. Monsieur Romataro Fernand. À voter. Madame Sage Maina. À voter. Monsieur Salmon James. À voter. Monsieur Gilles Philippe. À voter. Madame Saint-Jean-Tarica. À voter. Madame Tahiata Chantal. À voter. Madame Taïwa Thomas Juliette. À voter. Madame Tama Françoise. À voter. Monsieur Tonso Robert. À voter. Monsieur Tuyo Tuhiroro. À voter. Monsieur Defarere Hiroiti. À voter. Monsieur Temaru Oscar. À voter. Monsieur Temeharu René. À voter. Madame Teruata Sylviane. À voter. Madame Théoura Justine. À voter. Monsieur Tohou Ismaël. À voter. Madame Tichoubière Catherine. À voter. Madame Vénodon Béatrice. À voter. Monsieur Vénodon Clarence. À voter. Et Monsieur Yip Michel. À voter. Voilà, tous les représentants. Merci. Le scrutin est clos. Monsieur le vice-président, le premier vice-président, madame la secrétaire, pour le dépouillement, merci.
57 votants, 57 bulletins trouvés dans l'urne. Jean-Christophe Bouissou. Jean-Christophe Bouissou. Jean-Christophe Bouissou. Oscar Temaru. Oscar Temaru. Oscar Temaru. Oscar Temaru. Oscar Temaru. Blanc. Oscar Temaru. Jean-Christophe Bouissou. Oscar Temaru. Oscar Temaru. Oscar Temaru. Oscar Temaru. Jean-Christophe Bouissou. Jean-Christophe Bouissou. Blanc. Blanc. Jean-Christophe Bouissou. Jean-Christophe Bouissou. Oscar Temaru. Jean-Christophe Bouissou. Jean-Christophe Bouissou. Oscar Temaru. Oscar Temaru. Jean-Christophe Bouissou. Jean-Christophe Bouissou. Oscar Temaru. Blanc. Oscar Temaru. Oscar Temaru. Oscar Temaru. Blanc. Jean-Christophe Bouissou. Oscar Temaru. Oscar Temaru. Jean-Christophe Bouissou. Blanc. Oscar Temaru. Oscar Temaru. Oscar Temaru. Oscar Temaru. Oscar Temaru. Oscar Temaru. Jean-Christophe Bouissou. Jean-Christophe Bouissou. Oscar Temaru. Jean-Christophe Bouissou. Oscar Temaru. Oscar Temaru. Blanc. Jean-Christophe Bouissou. Jean-Christophe Bouissou. Oscar Temaru. Jean-Christophe Bouissou. Oscar Temaru. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept blancs. Jean-Christophe Bouissou, 7 blancs.
30, Oscar Temoro. Bien, merci pour le dépouillement. Les résultats officiels sont les suivants. 57 représentants composent l'Assemblée. 57 représentants sont présents. 57 ont voté. 57 bulletins ont été trouvés dans l'urne. 7 bulletins blancs ont été aussi trouvés dans l'urne. Donc, 50 suffrages ont été exprimés. Ont obtenu M. Oscar Temaru 30 voix. M. Jean-Christophe Buissou 20 voix. Je proclame donc élu président de l'Assemblée de la Polynésie française M. Oscar Temaru. Et je l'invite, et j'invite Monsieur le Président à occuper le siège. Tanei au e hamarurui tātou pōrō, o mero mai tihi e te nuna,
Merci pour votre confiance. Je félicite tous ceux qui ont participé à cette réunion, tous les élus, depuis ce matin jusqu'à cet instant. Je veux féliciter Jean-Christophe pour le score qu'il a obtenu. Bien sûr, Madame Chantal Gallant et également notre sénateur, Monsieur Gaston Floss, le guerrier. Je pense qu'il faut déjà tourner cette page et se mettre au travail et rassembler tous les moyens, toutes les intelligences, toutes les capacités que nous avons entre nous pour essayer de sortir notre pays de cette impasse que nous connaissons tous. Notre peuple attend, il y a beaucoup d'attentes de la part de cette population et je viens de le dire en langue thaïsienne, personne ici ne détient le secret ni la panacée à tous ces mots que nous connaissons tous. C'est pas facile, mais je pense qu'avec toutes les bonnes volontés, on pourra sortir notre pays de cette impasse. Je sais qu'il y a eu des déclarations qui ont été faites, mais je pense que le dialogue et la bonne volonté peuvent nous rassembler et trouver les moyens ensemble pour que ce pays, notre pays que nous aimons tous, puisse sortir de cette impasse. Voilà ce que je voulais dire. Maruru, notatato maitira. Je suis là au service de tout le monde. Yoran. Nous allons tout de suite passer à l'élection des autres membres du bureau de notre Assemblée. Je pense que tout le monde souhaite certainement une suspension de séance. Oui, monsieur le sénateur. Bon, monsieur le Président, tout simplement pour remercier ceux qui m'ont accordé leur confiance aux deux premiers tours de cette élection présidentielle, le président René Temeharo et les amis du groupe du Tawera Huidatira, Madame Sandra Manutailevi Agami, présidente du groupe Tenatira et les membres de son groupe. Merci à vous tous d'avoir porté votre confiance sur nous. Et je crois, Monsieur le Président, vous avez oublié de remercier le principal artisan de votre élection, Monsieur Gaston Thompson. C'est grâce à lui que nous devons votre élection.
Bravo, monsieur. En tous les cas, nous savons que votre parole vaut rien. Vous n'avez pas tenu vos engagements. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le sénateur, monsieur Jean-Christophe Buissou. Merci, monsieur le président. Je voudrais à mon tour vous féliciter pour votre élection et remercier également l'ensemble des représentants de notre Assemblée pour leur vote, que ce soit un vote qui s'est porté sur ma candidature ou sur la candidature des autres représentants candidats. Et je voudrais en particulier, bien sûr, remercier les représentants qui m'ont accordé leur confiance. D'autant plus que la confiance qui m'a été accordée n'était pas une confiance négociée, n'était pas une confiance issue de tractations, mais une confiance tout simplement issue d'une volonté commune de permettre le bon fonctionnement de notre institution. Et je voudrais, Monsieur le Président, en cet instant solennel, vous dire combien nous comptons sur vous également pour permettre un bon fonctionnement de notre institution, qui est un organe essentiel de notre vie démocratique. Nous nous connaissons bien, nous nous connaissons tous ici, et nous avons confiance aussi dans votre capacité de faire en sorte que nos institutions puissent bien fonctionner. Et je voudrais en cela vous féliciter d'avance pour tout le travail que vous pourrez réaliser avec vos collaborateurs. Je voudrais en final remercier les représentantes et leurs représentants de ce petit groupe qui est Yorat Efenour. Et je voudrais les remercier pour, bien sûr, leur confiance et aussi, je dirais, leur comportement au regard de cette élection qui s'est tenue. Et je voudrais enfin dire que, malgré les remous politiques que nous connaissons et l'instabilité politique chronique de notre pays, nous avons la capacité aujourd'hui, alors que vous êtes sur le siège de président, de démontrer à notre population que nous savons également être des représentants responsables. Voilà, Monsieur le Président, ce que je souhaitais dire et féliciter, bien entendu, également les autres candidats, Monsieur le sénateur Gaston Flosse, pour sa candidature et aussi pour le fait d'exister politiquement, parce que, vous savez, c'est quand même dans la vie, on a besoin parfois d'obstacles pour avancer. Monsieur Gaston Flosse est avec nous, certainement dans la vie politique, pour permettre aussi à notre communauté politique de pouvoir avancer. Et je voudrais enfin remercier tous nos collègues de l'UDSP pour, je dirais, leur compréhension sur le fait que nous ne soyons pas allés jusqu'au bout de notre discussion et sur notre entente qui devait aboutir sur quelque chose que nous ne pouvions accepter. Et vous comprenez bien que notre position est quelque chose d'indiscutable et de non négociable. Voilà, Monsieur le Président, je suis enfin content que ce soit quelqu'un de phare qui soit à la présidence de notre Assemblée. Merci. Monsieur Tonso. Merci, Yorana Periteni. Au nom du groupe Totatuaya, je voudrais vous féliciter tout chaudement pour cette élection au Perchois. Félicitations. Et profiter de cette occasion qui m'est donnée pour également féliciter tous les candidats qui se sont portés au suffrage donc des élus tout le long de cette matinée, du premier tour jusqu'au troisième tour. Le groupe Totatuaya a soutenu la candidature de notre ami Jean-Christophe Buissou à la présidence de l'Assemblée de la Polynésie française parce que nous avons cherché à garantir la stabilité de notre pays en élargissant cette majorité. Malheureusement, le message n'a pas été compris. Nous avons voulu répondre aux attentes de notre population
et de poursuivre notre volonté de travailler pour notre pays, pour son développement serein et durable, surtout durable. Nous avons voulu faire cesser toute escalade politicienne et réussir enfin à mener à bien les projets et programmes du gouvernement qui se bat depuis plusieurs mois pour redresser la situation difficile de notre pays. Et je crois qu'on peut réussir tout de même ce gouvernement au travers de cette équipe ministérielle qui aujourd'hui ne dispose pas énormément de moyens mais qui se bat jour et nuit pour le redressement de ce pays. Je pense qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît, mes chers amis. Et donc, une fois de plus, je pense que nous pouvons compter sur vous, Monsieur le Président, pour être le président de tous les partis, de tous les Polynésiens et de tous les élus. Et pour terminer, je serai en phase avec vous pour dire qu'effectivement, les deux journées ont été longues et peut-être qu'il, avec l'accord de tous les présidents de groupe, il serait peut-être bon de reprendre la séance, pourquoi pas lundi. Maruru. Oui, merci, merci Monsieur Jean-Christophe Buissot, merci Monsieur le Sénateur, merci Monsieur, oui, Madame Agami. Oui, merci Monsieur le Président de me donner la parole. Je tiens à vous féliciter pour votre élection. Hier encore, cette stratégie n'était pas prévue. Puisque le candidat qui était prévu par la majorité a été changé entre-temps. Dans le respect de la parole qui a été donnée au Tahoeir A, le groupe Tenatil A a maintenu son vote, comme vous l'avez vu, lors des deux premiers tours. Et dans la mesure où le candidat du Tahoeir A n'a pas passé les deux tours, eh bien, nous avons décidé de ne pas voter blanc, parce que pour nous, voter blanc, c'est être ni pour l'un ni pour l'autre. Or, il faut prendre une décision. Et la décision qui a été prise a été de vous soutenir, Monsieur le Président, en souhaitant que vous rameniez la paix dans cet hémicycle, qu'on puisse travailler tous ensemble. Je sais qu'on n'a pas eu le temps de se voir, c'est une décision qui a été prise avec mes collègues de Tenatil A, mais c'est une décision que nous assumons et que nous n'avions pas prise auparavant, et je tenais à vous le signaler. Je tiens vraiment également à féliciter mon collègue Jean-Christophe Buissot, qui est quelqu'un de grande qualité, avec lequel j'ai toujours beaucoup aimé travailler. Je pense qu'on va continuer dans ce sens. Et ce que je souhaite, c'est qu'on ramène un peu de paix dans cet hémicycle et qu'on procède rapidement aux modifications statutaires permettant d'éviter ce type de tractation chaque année, qu'on modifie notre statut, notre règlement intérieur, pour permettre au président élu de l'être pour un certain nombre d'années, au moins pour le mandat de représentant s'il le faut, permettant ainsi de stabiliser le gouvernement qui sera en corrélation avec cette majorité à l'Assemblée. Je vous remercie de votre attention. Rétini. Merci. Oui, Madame Chantal Tahiat. Maruru Rétini. Tinarone Matou Namuarua. Nani te o te pupu i DSP, ha pupu ia oe no te IETRA, pretini o te aporarhei. Te hinaro nei rā matou, nani e tō matou i oa amui. Ha maruru mei tei, te moti atua, no tara pupu e no tara pupu, te horo mei tō rātou tiaturi rā ini e ia oe, i parehei oe te imhana i reira. Ha maruru tō rāo, te moti e i horo, mei a Jean-Christophe Buissot, e mei te ie hui tō wha, Gaston Floss. E tēnā atu te emotia tō ropu, te horo o mei tō rātou te aturira. Te poro i rā, iarawe āmui hoa ia tātou te hipa, no te meitei o te whenua. Maruru. Monsieur Jacques Droli. Kia ora nā te pere titeni. I tauna wau e manui a tātou, i nā hau a tātou ni ei te reheni, no ri rā, maruru mai tei, no te ienei e hipa tātou i rauai. Te wahei o tate mano e tape anei, te reira o te motata i whai te o maiti iao. E iai numera te reira o te motata, te nia o e te whai tō mahuru mā pae reo. O tia te maiti rā.
mai tira ara e toru uhuru e te te aturi ne ia ue e numara mai te eitei nenea o ia e nua tui mua. No tra anira e veisho, no te monire ane, no te mhana piti ane, te aturi nei matou, hare ro tātou tiopea o tātou pia hupa, te whare aporar hei. Te ora ia nā mero e iwa, e turu ia o erotu i te hupa, e hui hui rā, me te pēti ei ratou, i te rahi rā o te mautia i rotu i te mōpupu. E opere mai te pai, ia i te rahi rā o te mautia i rotu i te mōpupu. E ia tai tātou te monire o reira te mhana piti, e nari rā o tātou i te tātou ara o te mōtomite, e roto a te whare aporar hei. I hapa ia piri tātou i te tei, te reira o te mou tomite, veiho no atu ei te huahuara a nā te tei paia, wa tēra tō mātō manao i te opere mai tēra. E tō manao hopea e te periti tene, i te area no te e horawa te anei, wa whāro to ure o e te anihi ara e haparari tātou aporare. Te anihi ara e haparari tātou aporare, e manao teito te i e roto i atau, i roto rā e te anira, nene tu at whare aporare, e amui atu roto i tra anira. E anira i a Sarkozy, i wha oi mei tātou ture a maitira api, hou tātou a tomu atuai, e roto i tu maitira. E tona tano rā mau, tona taro rā mau, i a wha oi hoa te whātere rā o te whenua, i tona ti ara, e re? I a pa unai wha e wha honi e te whātere rā, no te mea o pei tihi ara tu i te emha, me papu mai te. A tūpa i at whea no te pērhei ni a i whātere rā, no te arata i a tātou rutu i tu mai tira. Ture api, no te mai tira, pērhei api, manu i a whahu a tātou rutu i tu mai tira e whātata mene. E ani tātou i a Sarkozy, hou te hopera o te emadheiti, o whahu a tātou rutu i tu mai tira. E nā te rira, e whātia whahu i tu tātou whenu. Aitou i tu e peri titini. Ia rāna. Maruru, it Mamunato. Nous allons procéder à une suspension de séance et on reprend nos travaux dans une demi-heure. Il est 3h30 à 16h. Maruru. Et bonsoir tout le monde. Nous allons donc procéder à l'élection des autres membres du bureau de notre Assemblée. Mais je demanderai d'abord à Madame la Secrétaire Générale de nous donner lecture des dispositions du règlement intérieur de notre Assemblée. Madame la Secrétaire Générale. Monsieur le Président, l'article 2 du règlement intérieur indique que le bureau de l'Assemblée se compose du président, des premiers, deuxième et troisième vice-présidents, des premiers, deuxième et troisième secrétaires et des premiers, deuxième et troisième questeurs. Ceux-ci sont élus au scrutin de liste secret sans panachage ni vote préférentiel. La majorité absolue est requise au premier tour de scrutin et en cas de deuxième tour, la majorité relative suffit. Tout groupe constitué qui fait acte de candidature par écrit doit être représenté proportionnellement sur chaque liste déposée. Et les sièges non pourvus après cette répartition sont attribués selon la règle la plus forte moyenne. Et si plusieurs listes ont la même moyenne, pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Et en cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé. Aucun retrait de groupe n'est possible après que le président ait donné lecture des listes proposées au suffrage de l'Assemblée. Après proclamation des résultats du scrutin, le président de l'Assemblée suspend la séance pour permettre l'élection par le bureau ainsi constitué des premiers, deuxième et troisième vice-présidents, des premiers, deuxième et troisième secrétaires et des premiers, deuxième, troisième questeurs. Aucun débat ne peut avoir lieu avant que le président ne proclame le bureau installé dans ses fonctions. Et après l'élection du bureau, le président de l'Assemblée en notifie la composition au président de la Polynésie française et au commissaire. Voilà, Monsieur le Président. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Monsieur le Président, voici la liste qui est proposée. Les candidatures formulées par les différents groupes sont les suivantes. Vous avez la liste là qui va être distribuée par ordre alphabétique. Alors, Madame Algon-Emma, Monsieur Nicolas Bertolon, Monsieur Anthony Géros, Madame Nouthéa Hirschhorn,
M. René Komoutini, M. Victor Mamatoua, Yahoutapou, Mme Juliana Mati, Mme Tarita Saint-Jou et M. Robert Tonceau. Madame Merceron. Merci, Monsieur le Président. Quels sont les groupes qui existent à cette heure à l'Assemblée et combien il y a de personnes dans chacun des groupes? Parce que c'est quand même un élément déterminant pour comprendre la liste qui a été composée puisque nous n'avons pas été informés de cela. Merci. Oui, alors, je vais commencer par les non-inscrits. Il y a trois non-inscrits. Madame Tilda Fuller, Madame Galnon Minari et Monsieur Philippe Schill. Yorant Fenouan, Madame Emalgon, Monsieur Buissou Jean-Christophe, Madame Merceron Armel, Monsieur Porliété Kinoui, Madame Sage maintenant, et Madame Vernon Béatrice. Pour le groupe Tahoeira Huidatria, 12 sièges, Madame Brémond-Madeleine, Monsieur Gaston Floss, Monsieur Kouimouetini René, Monsieur Moutam Thomas, Madame Richton Monique, Madame Saint-Jean Tarita, Madame Tahoua Tama Juliette, Monsieur Temiharo René, apparenté, Madame Isal Hefara, Monsieur Kautei Benoît, Madame Manoutei Levi Agami, Sandra, Monsieur Yep Michel. C'est bon? Groupe Totato Aya, 14 sièges, Monsieur Berfolon Nicolas, Monsieur Madame Brodien Rosina, Madame Chavez Daphné, Madame Frébeau Joël, Monsieur Lisson Marcelin, Madame Maria Emma, Monsieur Maraoura Teina, Madame Marie-Thérèse Melotto, Liliane, Madame Mataoua Léonie, Madame Parker Eleanor, Monsieur Peu Touti, Monsieur Tonso Robert, Monsieur Chunyu Tung Hi Chong et Madame Teruater Sylviane, 14 sièges. Bon, puis pour le reste, 22 sièges du PLD, ISP. Madame Bob Dupont-Amara, Madame Cross Valentina, Monsieur Jacques Hidrolet, Monsieur Pierre Fribourg, Monsieur Giron Santoni, Monsieur Anderson George, Madame Hitchon Muntea, Monsieur Mamatoui Hetopou Victor, Madame Mati Juliana, Madame Olivier Marise, Madame Opa Fouanik, Monsieur Rapoteau Jean-Marius, Monsieur Romain Taro Fernand, Monsieur Salmon James, Madame Tahiata Chantal, Madame Taman Françoise, Madame Monsieur Tevare de Hirohiti, Monsieur Temar Oscar, Madame Théodore Justine, Monsieur Touahou Ismaël, Madame Touichot Bouillard Catherine et Monsieur Vernon Clarence. Voilà. Alors, je demande à Monsieur Hirote Valéry et Madame Charlie Daphné de Madame le secrétaire général, vous pouvez la faire l'appel des conseillers des représentants. Madame Algon Emma. À voter. Monsieur Bertolin Nicolas. À voter. Madame Tabar Bob Dupont.
À voter. Monsieur Buissou Jean-Christophe. À voter. Madame Raymond Madeleine. À voter. Madame Brodien Rosine, absent. Madame Chavez Daphné. À voter. Madame Cross Valentina. À voter. Monsieur Drôle Jacqui. À voter. Monsieur Flos Gaston. À voter. Madame Fribourg-Joël. À voter. Monsieur Fribourg-Pierre. À voter. Madame Fouler-Tilda, absent. Madame Galnon-Minari, absent. Monsieur Giraud-Santoni. À voter. Monsieur Anderson George. À la fin. À voter. Madame Hirschan Nounoutéa. Voter. Madame Isal Hifara, absent. Monsieur Kauté Benoît. À voter. Monsieur Komouitini René. À voter. Monsieur Lison Marcelin. À voter. Monsieur Mamadou Ayotapou Victor. À voter. Madame Anouk Heilevi Agami Sandra. Madame Anouk Heilevi Agami Sandra. À voter. Madame Maraya Emma. À voter. Monsieur Maraya Urateina. À voter. Madame Maritera Guimeroto Lilian. À voter. Madame Ataoual Léoni. À voter. Madame Ati Juliana. À voter. Madame Mercero Armel. À voter. Monsieur Moutam Thomas, absent. Madame Olivier Marise. Madame Olivier Marise. À voter. Madame Opa Afouanik. À voter. Madame Parker Eleanor. À voter. Monsieur Peututi. À voter. Monsieur Pauliette Kinoui. À voter. Monsieur Rapoteau Jean-Marius. À voter. Madame Richemont-Monique.
À voter. Monsieur Romataro Fernand. À voter. Madame Aïna Sage. À voter. Monsieur Salmon James. À voter. Monsieur Gilles Philippe, absent. Madame Serge Tarita. À voter. Madame Tahieta Chantal. À voter. Madame Tahoua Tama Juliette, absent. Madame Tama Françoise. À voter. Monsieur Tonson Robert. À voter. Monsieur Tchoumtou Roro. À voter. Monsieur Tefaraïde Hiroiti. À voter. Monsieur Temaru Oscar. À voter. Monsieur Temeharo René. À voter. Madame Tiroate Sylviane. À voter. Madame Théoura Justine. À voter. Monsieur Toaho Ismaël. À voter. Madame Tichoubia Catherine. À voter. Madame Vernondon Béatrice, absent. Monsieur Vernondon Clarence. À voter. Monsieur Yip Michel. À voter, Madame Inari Galnon. À voter. Voilà. Le scrutin est clos. Nous allons donc procéder au dépouillement. Votants, 50 bulletins trouvés dans l'urne. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète.
Liste complète. Liste complète. Liste complète, liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Par où allez-vous payer ? Liste complète, liste complète. 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 Et liste complète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Liste complète. C'est comme sept représentants composant l'Assemblée, 50 représentants présents, 50 bulletins trouvés dans l'urne. 0 bulletin blanc et 50 suffrages exprimés. La liste obtient donc 50 voix. Conséquence, sont élus membres du bureau de l'Assemblée de la Polynésie française, Madame Emma Algan, M. Nicolas Bertolon, M. Anthony Giros, Madame Umutea Hitchen, M. René Kouhoumouetini, M. Victor Mantoué-Heitapou, Mme Juliana Mati, Mme Tarita Saint-Jou et M. Robert Tonceau. Bureau de procéder à l'élection des trois vice-présidents, des trois secrétaires et des trois questeurs. J'invite les membres du bureau à se rendre dans la salle des commissions. Je vous donne lecture de la composition du bureau de l'Assemblée. Président, moi-même,
Premier vice-président, M. Anthony Géros. Deuxième vice-président, M. Victor Amantoy-Hetapu. Troisième vice-président, M. René Kohumwetini. Première secrétaire, Mme Juliana Mati. Deuxième secrétaire, Mme Tarita Saint-Jour. Troisième secrétaire, M. Nicolas Bertolon. Premier questeur, Mme Omutea Hirschon. Deuxième questeur, M. Robert Tonceau. Troisième questeur, Mme Emma Algon. Oui, Monsieur Jean-Christophe Bussieux. Merci, Monsieur le Président. Merci de nous avoir donné lecture de la composition du bureau avec les fonctions occupées par les membres. Vous comprendrez notre étonnement sur la répartition des responsabilités, surtout dans le cadre des déclarations qui ont été faites aujourd'hui par vous-même et par M. Jacques Hydrollet, qui parlait, d'ouverture, de travailler ensemble. Et on se rend compte qu'en réalité, vous faites une OPA sur les fonctions qui attribuent des crédits importants, et notamment au niveau des vice-présidences, avec la première vice-présidence, la deuxième vice-présidence. Ensuite, vous attribuez à votre nouveau partenaire du Tahoe A, M. René Kohumwetini, la troisième vice-présidence. Donc, vous fermez toute possibilité, en réalité, pour les autres groupes, de pouvoir également se doter de moyens pour pouvoir fonctionner. Alors, ma question est celle-ci, c'est comment il fallait comprendre, finalement, ce discours d'ouverture et d'appel à travailler ensemble qu'on a pu entendre aujourd'hui. Ce n'est pas forcément à vous que je pose la question, mais aussi aux membres de votre groupe et particulièrement à M. Jacques Hydrollet, parce qu'en réalité ici, on n'a pas la traduction de ce discours, et je tenais à faire cette déclaration pour éviter qu'on continue à colporter ce type de discours feutré, mais qui en réalité ne donne pas grand-chose dans les actes. Voilà ce que je souhaitais vous dire, Monsieur le Président. Et nous regrettons, bien évidemment, cette répartition. Merci. Monsieur Jacques Hydrollet. Et malheureusement, il y a été petit ami. À propos, il y a eu un numéro, il m'a été hier, il y a eu un tout, il y a eu un tout, il y a eu un tout. Il y a eu un tout, 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 et il y a eu un tout, il y a eu un tout, il y a eu un. Et te veux dire, t'as été mon tomité au tatatoué Hamau, et Jean-Christophe Bussou, et Nene tatoué Ferruri n'a fait hui hui. Il te y est maintenant, t'as oué hapapou, il te y est po, et retour, il te tatoué à l'automot, à terre, vene, tu es peuné, et il te y est noir de pia, et il te y est noir de pia, et t'as tout mon harin, et opérer à itemoni. Ou harin tout mon nom, et opérer à itemoni. Et vous avez dit que 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 vous avez dit te tato ara o te hupa ta tato enen hera we erira e tanu ai, I nei tera mana o I whaahiti hia no te operera artu I tato, tera rua to umano ai tato umano I tau I, maruru ure te tene. Oui, j'ai fait la proposition que vous m'avez faite,
mais je vous demande de comprendre qu'il y a des propositions qui viennent de part et d'autre. Il n'y a que 3 postes de vice-président. J'ai laissé le soin à la commission qui s'est réunie de mettre en place notre bureau de l'Assemblée. Comme vient de dire M. Jacques Hydrolet, il y aura encore d'autres commissions et d'autres responsabilités à assumer dans cette Assemblée. Voilà. M. Gaston Flos. Teta atoar au te mau pupu poritita rutoi te pia whaatere no ta tatou apor arhei. E terira whanhar a e ere na tatou i whaote, na te ture i whaahepo i a tatou opere, e u opere mai te ia. Tirito te ta atoar au te mau pupu poritita rutoi te ia apor arhei, i rutoi te ia pia toro i ta tatou e hatu a ia. Liti mea raho e hin aro te mero apor arhei o buisu, e a photo here to money na to mo papa e pro na to mo kesta na na pa e tu te te o por amon or tu te por ar he o te fenu a feruri a mo e tu ai tato e te i ani ramo me e o o i po muni te i no ri da maruru e te fari i roi traman o to to ho o jaki drole e wishu i hua no te ie te ie hope te mai mua no te mea te hare reru tura te mau ferurira malu je demande donc à l'assemblée de m'habiliter à fixer le jour et la date de notre prochaine réunion, je pense à mardi, plusieurs élus des îles m'ont demandé s'il était possible de reprendre nos travaux mardi. Alors, je ne sais pas, je consulte l'Assemblée. Oui, M. Jean-Christophe Bussou. Président. Oui, avant tout, merci Président, avant tout, je voudrais féliciter tous les membres de ce bureau de l'Assemblée. Je partage parfaitement ce que vous dites. Lorsqu'il y a 3 postes de vice-président, il est difficile de satisfaire tous les groupes. C'est entièrement et totalement vrai. Mais ce que j'ai du mal à comprendre avec ma petite intelligence, c'est que le deuxième groupe que nous sommes n'arrive même pas à avoir une place parmi les 3 vice-présidents. Ça, j'essaie d'être intelligent et je n'arrive pas à comprendre. C'est tout ce que je voulais dire. Marouru. Monsieur Jean-Christophe Bussou. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'on ne va pas polémiquer ce soir, mais je voudrais quand même préciser juste une petite chose. Lorsque je parle crédit, Monsieur Flos parle argent. Oui, lorsque j'utilise le terme de crédit, lui, il entend le terme « argent ». Je comprends qu'il ait du mal à comprendre peut-être que « crédit » signifie gérer des crédits sur un budget et non pas manipuler de l'argent public d'une manière secrète. Merci. Monsieur Gaston Flos. Monsieur le Président, au dernier renouvellement du bureau de l'Assemblée, j'avais fait la même réflexion que mon autre ami de gauche, M. Robert Tonceau, parce que dans la composition du bureau, comme vice-président, il y avait Hirote Farere, Victor Mamatua, Emma Algon, et il n'y avait pas de Tahoera. Il n'a pas mis de Tahoera dedans, et pourquoi il s'étonne qu'il n'y ait pas de Totato ailleurs? C'est pareil. Il n'y a pas eu d'ouverture. Oui, alors je demande à l'Assemblée de m'habiliter, d'habiliter le président de l'Assemblée de la Polynésie à fixer les dates de réunion de la session administrative. Ça, c'est pour toute la session. Passons au vote. À l'unanimité. Maruru. La séance est donc close. Et vous serez convoqué donc pour mardi à 9h. Mardi 9h.